excusez-moi. Ça vous arrive souvent? Vous regardez quoi? Les gens dans la rue? Non, les filles. Avec insistance comme ça. Ok, vous êtes beau garçon, tout ça, mais ça vous donne pas le droit de regarder les filles avec insistance quand même. Et qui ai-je regardé avec insistance? Bah, je vous ai vu regarder la demoiselle là qui est passée avec le gros cul. Là, il y a une nouvelle brigade qui est sur le secteur. Faut pas regarder les filles avec assistance. Ah ouais, c'est 17 euros pour les regards un peu lourds. Ah ouais. Enfin, si vous reconnaissez. Les regards sur les mecs alors. Ah, est-ce qu'on nous donne 17 euros aussi? Ah, ça, c'est à vous de voir. Regardez là, j'ai de l'argent là-haut. Hein. Brigade de la police des mœurs et des vices, vous venez de regarder la demoiselle là qui était derrière? Oui. Moi, je regardais comment il prend les photos. Ah là, moi, je pensais que vous regardiez ses fesses ou un mais truc comme ça. Moi, j'ai une fille plus âgée que... Moi aussi, j'ai une fille. C'est pour ça, faut faire attention. Moi, j'ai une fille, 19 ans bientôt. Voilà, faut changer les comportements maintenant. J'ai d'accord fait... On vous surveille, monsieur. Hein. Vous pouvez mettre sur le côté, s'il vous plaît. Attends. Vous faites souvent ça? Deux. De regarder les filles comme ça. Vous savez que c'est interdit, la nouvelle loi. Je vous ai vu regarder le cul d'une fille tout à l'heure. Honnêtement, j'ai même pas fait attention. Alors, vous regardez sans faire attention? Vous avez une copine? Oui, bien sûr, j'ai ma femme. Mais... Vous pensez que ça lui ferait plaisir d'apprendre ça? Honnêtement, monsieur, c'est même pas mon... L'intention, c'était pas ça? J'ai même pas réfléchi à ça, là, quand vous me parlez. J'ai même pas réfléchi à ça, monsieur. Vous pouvez mettre l'aile, s'il vous plaît? T'as les images, Thierry? Il y a des filles qui sont passées, la caméra m'a dit que vous les regardez avec insistance depuis tout à l'heure. Oui, j'étais dans leur classe. Deux secondes. Il me dit qu'elles étaient dans sa classe. Ok, je laisse passer. Alors, juste à titre informatif, il est interdit de mater lourdement les femmes. Vous savez qu'il y a la loi qui vient de passer, là. Je vous rassure, hein, on passe sur ce cul-là, enfin sur ce coup-là. Mais la prochaine fois, ok, c'est la dernière fois. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Ça serait une amende de 17 euros pour toute personne qui regardera avec insistance le fessier d'une dame. C'est pas assez cher. C'est pas assez cher. Il faudrait mettre 100 euros. 100 euros. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a une nouvelle loi qui est passée contre l'harcèlement envers les femmes. Donc, personne vous a embêté aujourd'hui? J'ai plus l'âge. Ça, j'en doute, madame. N'hésitez pas à le signaler au cas où. D'accord? Vous n'êtes pas fait importuner par des gens, des garçons un peu lourds? Personne vous a embêté sur le chemin? Si, il y avait une bande de garçons. On y va, on descend en bas. Merci, madame. Pour vous, c'est normal de mater des culs dans la rue? Non, ça dépend comment on regarde. Si la meuf, elle passe devant toi et tu fais ça, et tu dis à ton pote, regarde. Ça, c'est abusé. Ça va bien. Ça, c'est honteux. Mais regarder en loose-dé, ça passe. Ouais. Vous savez que très bientôt, vous aurez plus le droit de faire ce que vous venez de faire? De jeter la poubelle de ma cigarette? Ah non, de mater des culs. Depuis tout à l'heure, on vous regarde avec votre collègue. Il y a une loi qui va passer, c'est interdit. Sérieux? Ouais. Vous avez une gonzesse? Bah non, justement, c'est pour ça. Sinon, je ne materai pas des culs.